Salut à toutes et à tous, c'est Kizae et bienvenue pour ce 37e épisode de Kingdom Hearts 2 dans lequel on va s'attaquer à la dernière partie de la Cité du Crépuscule et pour ce faire je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de quelqu'un, je vais laisser se présenter maintenant. Yo tout le monde, c'est Zar, je suis dans la vidéo. Salut à toi donc, est-ce que ça va bien? Ça va, pour cette belle après-midi. Ouais, j'avoue, moi aussi, ici, là, il fait bien beau chez moi, c'est parfait. Parfait pour tourner un épisode de Kingdom Hearts, et en plus, en duo. Et j'ai même envie de dire que on arrive presque au crépuscule. Ah oui, on arrive vraiment au crépuscule du jeu, hein. Donc là, c'est le dernier monde, mais on va pas y aller tout de suite. En fait, je sais pas si on peut y aller déjà maintenant, je pense pas. Ah, si t'appuies sur Triangle, tu verras si tu peux y aller ou pas. Enfin, si tu auras juste à pas valider. Bah, on va voir. Oh oh, on peut pas aller là-bas. On dirait que l'accès n'est pas ouvert. Voilà, on est fixé, on ne peut pas aller comme ça. Donc, dernière partie de c'était la Cité du Crépuscule et forcément passage en vaisseau Gumi. En plus, un passage qui est assez dur. Ouais, ce passage. En plus. En plus, ce passage. C'est le passage où je suis mort sûrement 3 ou 4 fois quand j'y pense, puisque j'ai réessayé l'autre jour. Hier j'ai réessayé, je suis mort 3 ou 4 fois. Ah, moi je suis mort 2-3 fois aussi, donc je te rassure, il est pas évident, franchement, il est pas évident ce passage. Ça fait vachement Star Wars, il y a beaucoup de vaisseaux, mais le pire c'est que je pense pas que tu puisses tous les détruire, hein, tous ces machins comme ça. Ah, ça c'est malheureusement le partage, ça. Je peux pas grand chose. Ah, d'accord. La première fois, je sais que c'est le partage aussi de Skype qui. Y a un peu de mal aussi. Je crois que tu vas avoir un ennemi jaune qui dit pas longtemps. Ouais, tu dis pour exposer les. Enfin, pour trop trop s'exposer, ouais. Quand tu auras le Kronawa. Oui, plus tard, il me semble qu'ils sont là justement. Ouais. Parce que plus t'as un grand vaisseau, plus facilement t'es touchable. Hein. Ouais, ouais, ça c'est sûr. J'essaie de monter en grade, mais putain, c'est pas évident. Hein. Ah oui, non, mais moi c'est pareil, hein, les phases de Vesno Gumish, c'est pas vraiment ce dont je suis fan. Ouais, surtout ce niveau-là du Vesno Gumi, il est bien dynamique, surtout. Ils l'ont bien bien dynamisé. Bon, là c'est un petit peu lent, c'est normal, mais en général c'est bien dynamique, et voilà, forcément, il fallait que je me prenne des portes. C'est vrai. Putain, il y a vraiment beaucoup d'ennemis, ça me fait ouf. Attention, on va fermer les portes. Je les ferme, mais il faut les ouvrir aussi. Putain, c'est vraiment pas évident. Ça va être tendu, franchement. Je vais essayer. Ah oui, il est là-haut. Vite. Non, je l'ai pas eu. Dommage. Je l'ai vu trop tard. Ouais, c'est sûr. Ah putain, il y en avait un autre. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu trop tard aussi. Pas si t'entends, mais...
crie encore, c'est pas fini. Ah ouais, j'ai rien. Y'a le bicanon. Je crois que je suis mort une fois. Moi j'ai bien perdu. Et attention à la deuxième salve. Hop. Justement, c'est en comme ça que. Ah ouais d'accord, ouais, parce que le machin tire deux fois donc faut faire super gaffe quoi. Ouais. Bon après, en général je recommence pas ces trucs parce que on joue pas du Kingdom Hearts pour faire du shoot'em up. C'est sûr. Allez. La dernière partie de Last Crépuscule, on y va. À la recherche de ce vieux manoir, ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas revu. Ouais. Depuis le début du jeu, hein, mine de rien. Ouais. Il nous manquait un peu ce vieux manoir. Enfin, c'est vraiment la ville qui me manquait surtout. Parce que, moi aussi, c'est une de mes villes préférées. C'est franchement un monde que j'adore, quoi. Et bien évidemment, elle est infestée de simili, forcément. C'est vrai, je préfère quand même des simili, ouais. Déjà, ça rapporte plus d'XP et c'est plus varié. Enfin, plus varié, non. Il n'y a pas beaucoup de formes de simili, mais je préfère quand même les simili, personnellement. Même s'ils ont. Ils donnent pas de. Je crois qu'ils donnent pas de mini. Non, ils donnent que des sphères de magie. Ouais. Je vais peut-être rééquilibrer un peu les Keyblade des fusions aussi. Ouais, ça, je m'en avais parlé un peu. Attends, parce que là il faut que je mette une qui soit bonne en attaque. Et une ici, bonne attaque, bonne en attaque et en magie. Ouais, la lion à soupir, elle va bien pour la maîtrise. Elle va bien. Et tout à l'heure, quand t'as pris le skate, il était noir alors qu'au début du jeu, avec Roxas, il était blanc. Oui, c'est juste, c'est juste. Et dans certains mondes aussi, c'était une planche de bois. Ouais, exactement. Alors là, on peut accéder au passage souterrain, donc c'est les. On va dire ça, c'est un peu le métro, les galeries souterraines. C'est ça, vraiment à arriver dans tous les recoins de la ville grâce à ce raccourci. Je vais en profiter juste pour récupérer les coffres ici. Et ceux de la terrasse du couchant aussi, parce qu'on va pouvoir y aller. Exactement. Le régal que plus donc pour Ultima. Ultima qu'on m'a conseillé, on m'a demandé si je comptais le faire en live et je pense que je vais le faire en live, ouais. Ça pourrait être sympathique. Alors j'ai posé la question, hein, comme d'habitude je pose à tout le monde, est-ce que tu as joué à Kingdom Hearts et si oui, lesquels? Ou lequel? Alors, t'es beaucoup plus vulnérable après si en fait tu fais une partie avec le simili magicien, si t'arrives à le battre dans sa partie, tu le one shot d'un coup en fait. Je suis arrivé au moment de Zelda Majora's
Ça va, t'as fait quand même les principaux, quoi. Si t'as fait tous les autres, enfin tous ceux que t'as cités, il te manquerait 358 sur 2 Days Ah et oui, bah, Codine. j'ai oublié de le citer. Ah, tu l'as fait aussi, Days. Je l'ai pas cité, mais je l'ai fait juste avant dans Taïfi. Ah ouais, bah alors il te manque Coden alors, Ricoden. Ouais, Ricoden, mais j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps de. Quand j'ai les moyens de l'avoir, mais j'oublie tout le temps. Ah, moi je l'ai trouvé dans la Fnac vraiment près de chez moi. Je l'ai trouvé pour une. Ouais, c'était quoi, 20-30aine de francs suisses. Il était vraiment super action quoi, j'ai pas hésité une seconde à le prendre, je me suis dit bon bah. C'est clair. Bon, par contre, pour en trouver un, genre Burn by j'avais beau aller dans tous les magasins, je ne trouvais pas. Je t'avouerais que la première fois aussi c'était assez galère. Hein. Ah, lance de simili, tiens, j'ai gagné une 1 pour Donald. Mais c'est bizarre parce que ceci je l'ai jamais eu. Moi non plus, je t'avouerai. Lance des simili. Ah ouais, quand même, augmente la défense dans les situations critiques. Ah, sympa. Et on met bien l'attaque. Bon, c'est curieux comme arme, mais pourquoi pas, après tout. Je pense que Dingo peut avoir aussi un truc, mais je suis pas sûr. Bah, ça faut chercher. Faut soit tomber par hasard dessus, soit tout simplement. Voilà, petit soin quand même. Je peux voir. Si tu veux, il est énorme. Je peux voir. Je crois que j'ai si tu veux. Parce que moi j'ai. C'est bizarre, cette arme de simili je l'ai jamais eu avec Donald, ça j'en suis sûr, même sur ma partie principale il me semble que je l'ai jamais eu. Bah moi c'est pas mon tour des 140 non plus. Parce que là oui je savais qu'il y avait le bâton chaman et l'espèce de livre pour Dingo, mais alors la lance simili ça j'étais pas du tout au courant pour ça. Ouais, moi aussi, pour revenir à ce que tu disais, c'était Bird by Sleep, je suis eu de la peine à le trouver celui-là. Surtout qu'au début, j'avais. Je voulais acheter la PSP et avec le jeu, mais à la Fnac, côté de chez moi, ils ne l'avaient pas. Enfin, ils avaient la PSP, mais d'occasion, un peu niqué quoi. Mais pas le jeu. Ou si, ils avaient le jeu justement, mais pas la PSP. Donc je me suis dit, merde, bon bah tant pis, je reviendrai plus tard. Et quand j'ai eu la PSP, il n'y avait plus le jeu. Et ça m'avait tellement fait chier. Mais finalement, en y revenant quelques jours après, puis en cherchant bien derrière les rayons, j'en ai réussi à trouver un. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement, j'ai été l'acheter sur internet. C'est con parce qu'à chaque fois que je voulais l'acheter, ma mère prenait toujours trop de temps à commander, genre 5 jours après, et le jeu s'envolait. D'accord. C'est vrai que moi, juste qu'il y a. Ouais, c'est vraiment pas longtemps que j'ai commencé à faire des achats sur internet, c'est. Ouais, ça doit être fin de l'année dernière. Hein. Ouais, tout simplement jusqu'à ce moment ouais mais jusqu'à ce moment là j'achetais jamais sur internet, j'achetais toujours dans les magasins, donc je priais le bon Dieu pour trouver les jeux et les autres trucs que je voulais dans les magasins, mais à chaque fois ils les avaient pas, surtout pour Days, enfin 358 sur 2 Days, à chaque fois j'espérais qu'il était dans les magasins mais il ne l'avait jamais. Dis-toi que moi mon KH2 je l'avais cherché aussi dans les magasins, d'ailleurs je suis tombé sur deux très bons joueurs en le cherchant mais je l'ai pas trouvé. C'est FF10 que tu comptes faire en let's play, d'ailleurs j'étais une minute dessus. Et FF10 ouais je le ferai en version HD par contre sur la Play 3. Je m'entends plus. Tu m'entends plus? Il y a eu un bug donc FF12 mais FF12 je sais pas, c'est pas sûr moi ce que j'ai. Tu m'entends plus là? Ah d'accord. C'était sûrement à cause du lag de mon ordinateur. Ouais, je sais pas. En même temps, je suis toujours en train de chercher parce que j'ai énormément de temps. Ah mais t'inquiète, hein, si ça bouffe des ressources à ton ordi, laisse, hein, je chercherai après, c'est pas ça une urgence quoi. Je
Ouais, mais bon, ça presse pas, je veux dire, hein, vraiment, t'en fais pas pour ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, on va se diriger gentiment vers le manoir, hein, vu qu'on y arrive bientôt, on élimine toujours les sentinelles, ouais. Bien, les simili, je veux dire, pardon. Ouais, je les aime pas vraiment. Franchement, je les déteste parce qu'ils font assez mal quand ils te chopent et qu'ils te projettent comme ça. Après, c'est vrai qu'ils sont pas trop offensifs non plus, mais. Non, mais il y en a des pires. Et je sais que tu vois de qui je veux parler. Il y a les simili avec leur putain de hache là, les gros. Ouais. Eux, ils sont chiants, ils sont vraiment casse-couilles par contre. Ouais, ouais, quand ils sont en mode invincible, là, pff, oh là là, ils commencent à t'enchaîner et puis ils font mal, hein. En mode expert, non, même en mode normal. La première fois que tu viens à la Cité du Crépuscule pour aider Cypher et compagnie, quand ils apparaissent, j'en avais galéré, hein, sur eux. Ouais, même avec la fusion, c'est plutôt dur. Ouais, ouais, bah justement, même avec la fusion, j'ai dû m'y reprendre 2-3 fois avant de les battre vraiment, quoi. Ouais, non, ils font mal, ils font mal. Ma préférée, franchement, c'est la dernière, la suprême. Ouais, justement. Après, justement, la condition pour la débloquer, c'est vraiment d'arriver vers la fin du jeu, quoi. C'est dès que t'arrives à la dernière, dès que t'arrives à l'endroit où t'as essayé d'entrer, là, le blanc, c'est dès que t'arrives là, tu le plus souvent à la fusion et normalement tu tombes dessus. Moi je tombe par hasard contre le Moi j'étais à Port-Royal, je me souviens, j'étais à 32 XP les fusions justement. Parce qu'avec ce qui est bien avec Port-Royal, c'est que quand tu prends le bateau pour changer de direction, la jauge de fusion elle se recharge complètement et du coup bah tu peux enchaîner les fusions comme ça. Sans jamais devoir quitter le monde, ça va beaucoup plus vite franchement. En plus t'as des 100 coeurs sur l'île, t'as des 6000 sur le bateau des fois, donc pour XP la fusion suprême justement, une fois que tu la débloques c'était parfait. Et justement bah lors d'une traversée j'avais utilisé la fusion maîtrise ou vaillant, je sais plus, et pouf, fusion blanche qui apparaît. Je fais oh c'est quoi ce machin, c'est trop balèze et tout. Alors en plus elle est vraiment classe la fusion suprême. Ouais, c'est grâce à ça que tu débloques le vol plané. Exactement. Mais tu peux deviner quand même qu'il y a tant de fusion avec un. Hey, est-ce que ça va? Avec les miroirs qui sont dans la salle de la tour mystérieuse. Les miroirs? Quel miroir? Il y a des miroirs qui. Essayez de retrouver Kairi. À la tour mystérieuse. Moi, je pensais. Mais on a été attaqué par ces trucs blancs. Il y a des miroirs à la tour mystérieuse où il y a marqué oui, de. C'était pas la peine de risquer votre vie. Couvert. Bien sûr que si. Kairi est aussi notre ami. Ils disent des trucs sur les fusions. C'est une sorte de descriptif? Ouais, il y en a une par fusion. Tu as raison. Même pour la non-forme, la dernière. Je n'avais pas envisagé la chose sous cet angle. Il y en a même une pour fait, ça. On a ah, intéressant, faudrait faire un tour alors. Ouais, on ira. On s'est dit que c'était peut-être un passage vers une autre cité du crépuscule. Tu veux dire, une espèce de monde parallèle? Hé, Dingo! Ah, d'accord, ça se débloque à partir de la fin. Non, pas forcément. C'est moi qui ai fabriqué c'est ce quand sac. On va à la tour mystérieuse. Là où il y avait les filles. Ouais, ouais, je vois tout à fait où tu dis. Mais je veux dire, pour y aller, parce que là, à la gare, il n'y avait pas le train, donc je pense que c'est après après la dernière partie de la Cité du Crépuscule, je pense. D'accord, bon, on ira y faire un tour alors. Pourtant, vous en avez un aussi. D'ailleurs, tu vas aller les prendre les. Sortent ces objets. Coffre d'abord, avant de finir. Tu dis au fond du manoir? Il nous avait donné le cristal manoir, en même temps que l'argent pour acheter les billets de train. Parce que je crois que tu les as oubliés. Non, je les ai pris. Mais le roi, il les a trouvés. Ouais, ouais. Je recalque plus, je l'ai pris. C'est quand je cherchais. Ça expliquerait comment le roi a eu ce sac et le cristal. T'inquiète, t'inquiète. Ils devaient me prendre pour un. Ils ont dû me prendre pour un fou en disant ça. Mais non. Tout ce qui a disparu ici doit se trouver dans cette autre ville. Par contre là, grosse révélation hein, sur ce que disent les trois là. On y revient juste après le combat. Ou pendant le combat, j'y reviens. Merde,
pas, ils viennent de personnes avec un cœur pur et fort, alors qu'ils sont tous là, donc, ils se ressemblent tous. Bah, je pense que ces simili-là sont vraiment des personnes normales avec, je pense, une forte personnalité, je pense vraiment. Et ceux de l'organisation sont vraiment des êtres vraiment spéciaux, quoi. De toute façon, c'est... Non, du tout, pas forcément méchant. Mais ça... Ça, on en apprendra un peu plus sur eux, sur Days, justement. Quoi ? 358 sur 2 Days, on en apprend un peu plus sur eux. Vu que ça touche vraiment l'histoire de Roxas et de l'organisation, on apprendra vraiment plus sur eux. Ouais, mais Roxas, il est énorme, franchement. C'est clair, c'est clair. Ouais, elles ont une bonne signification là. Là, elles trouvent bien leur sens dans ce jeu là. Exact. Et non, on vous dira pas qui c'est. De toute façon, 358 sur 2 Days, je le ferai de toute façon. Je vais quand même le faire. Même s'il est moyen, je trouve, je vais quand même le faire. Parce que mon projet c'était de faire tous les caches, donc je vais quand même le faire. Quand refaisant je sais l'émission. Où se trouve Ansem le sage. C'est vrai, ça c'est dommage. Réussi à infiltrer la forteresse de l'organisation 13. Super, il est nous, super chaud nous déjà. Nous avons une idée de l'endroit où se trouve Calgary. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? J'avoue. Un indice. En plus, qui ça eh bien, quand on refait l'émission, les trucs sont plus certainement durs, Rico. Ils sont plus durs aussi. C'est juste un pressentiment. Donc le boss optionnel en... bon, avec la mission, si c'est ce que tu crois, super chaud. C'est sans doute vrai. J'ai essayé, je me suis fait la ça tête. Veut dire que Rico est vivant. En boucle si c'est ce que tu penses, j'ai attendu assez longtemps, Majesté. Ouais, c'est clair. Ce que vous savez. Désolé, mais c'est impossible. Mais, Majesté, pourquoi? Je ne peux pas manquer à ma parole. Vous avez donné votre parole à Rico. Alors il va bien. Je pourrai le revoir. Qui est Riku? Et là, Mickey nous confirme donc que Riku va bien. Mais oui! Bon, c'est votre essentiel. Majesté, c'est Riku qui vous quand a donné ouais. Le sac et le cristal, n'est-ce pas? Et vous avez promis de ne rien dire. Alors, pour revenir un peu avant à ce qu'il disait, Einar, Pence et Olette, on menait des recherches tout près du manoir et sont arrivés à la conclusion qu'il existe deux cités du crépuscule. Car en fait, le sac de Olette devrait être unique. Et pourtant, Mickey a bien donné à Sora une copie, ainsi que le cristal du trophée du champion, alors qu'il n'est censé exister qu'une seule copie. Hein. Ouais. Je parie qu'on peut accéder à l'autre cité de crépuscule en passant par le manoir. Excuse-moi, je t'écoute, je voulais lire le dialogue. Pauvre Donald. Ah oui, c'est vrai que lui, non, il n'en a pas de sphère, justement. Ouais. C'est bête pour lui. C'est clair. Entrons, je suis sûr que nous découvrirons quelque chose. J'ai un défi pour toi. Je sais pas si... Ouais, je pense que tu seras peut-être en mesure de le faire. C'est essayer de faire le boss final avec la Keyblade de doux souvenirs que t'as eu avec Foken. La Keyblade de Winnie là? Ouais. La Keyblade du maître. Du maître des Keyblades. Du maître des Keyblades. Plus ça se voit que c'est vraiment le maître puisque la Keyblade elle renforce pas ton attaque ni ta magie, donc si tu arrives à tuer des personnes c'est grâce à ta force pure, pas à l'arme. C'est voilà. pas faux, ça c'est de l'arme. Bon, après en plus ça te permet d'avoir plus d'objets, ça c'est cool. Même si contre le boss final ça te sert strictement à rien. C'est clair. D'accord. On verra si je ferai avec le défi. Hein. Il doit avoir un ordinateur quelque part. En mode expert, ça va être chaud. Oui, un ordinateur. Vous pensez qu'il est connecté à cette autre cité du crépuscule? Probablement. Et là-bas se trouve certainement un accès au domaine des ténèbres. C'est Riku qui vous a dit ça, pas vrai? N'insiste pas, Sora, je ne peux pas manquer à ma parole. Je le savais. Il a dit quelque chose, mais il ne veut pas en dire plus.
C'est ça. En disant ça, il insinue quand même des choses. Sora, arrête d'ennuyer le roi. D'accord, désolé. Alors ici, je crois que t'as 3 ou 4 coffres, dont un très important en bas, si tu veux. En live. C'est ça, ouais. Ils sont assez importants. Alors bon, c'est pas ceux qui sont à l'étage ici, hein, c'est vraiment plus bas qu'ils sont. Ouais, mais il faut surtout pas le louper celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose ici, il y a deux choses qui sont en référence au tout début. Je pense que tu vois que je parlais. Ouais, je crois voir. Et des références au début du jeu, c'est Sora, il comprend tout le monde. Vraiment, la plupart des personnes ne remarquent pas ces références. C'est vrai. Mais oui, il y a bien des références. Bah, déjà, même là, il me semble que ça, c'est la table où qu'avait cassé Diz, il me semble. Quand il était avec Riku ici, oui, je crois. J'avais pas fait gaffe. Mais il me semble que c'est la table où ils parlaient un moment ensemble les deux et Diz a tapé la table, il a cassé ou je sais plus trop quoi. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Ouais. Ouais, c'était... Parce qu'il me semble qu'avec Roxas aussi il était déjà pété. Par contre au début du jeu la salle blanche elle a pas besoin d'y aller, je m'en rappelle. Il y a un point de sauvegarde à gauche mais c'est tout. Ouais voilà c'est tout. Ouais mais vas-y quand même pour noter qu'il y ait le nom en dessous parce que normalement tu l'as pas encore visité. Ah oui bah oui c'est juste pour après pour si j'ai besoin de retourner dans le monde. Voilà. Et ouais donc quand même. Y a pas de nouveau dessin je crois ici. Non y a pas de nouveau dessin. Au début du jeu, Diz, il est avec un gars de l'organisation. Ensuite il relève son masque, il dit que c'est Ansem. Ouais. C'est quand même bizarre qu'Ansem soit Diz comme ça. Mais il avait l'air étonné que ce soit Ansem. Ouais, je crois qu'il avait dit ah ouais je. Enfin il avait rigolé après dit ah je vois pourquoi tu dis ça un truc comme ça. Il était content de le voir, il s'attendait à une autre personne. A mon avis, je pense qu'il a un peu rigolé en se disant ah tiens, tu te fais passer pour moi justement avec mon nom. Enfin, tu veux prendre mon nom pour te faire passer pour moi. Je suis pas sûr non plus, je pense qu'il y a pas de truc de la soirée. Je pense qu'il n'y a pas de quelqu'un dans le sens. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'on connaisse son identité à. Putain, ça sort vraiment tout seul en fait, c'est abusé hein. Ouais, mais on peut comme ça. Ouais. Bon bah, je coupe au montage. Ouais, bon, bah, encore une fois, on est. C'est ma faute aussi. Non, mais t'inquiète, c'est normal, je veux dire. C'est abusé, ça sort vraiment tout seul quoi, je veux pas le dire, et pourtant ça sort tout seul, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est pas. C'est un peu ma faute parce que là j'étais. C'était plus beau ce que j'ai dans le coup. T'inquiète pas. Non, mais là d'un coup ça a une qualité moisie. Ah non, c'est bon, c'est relou. Ouais, ça c'est le partage, malheureusement. C'est des fois tu verras pas forcément de bonne qualité. Non, mais c'est juste le jeu parce que ton fond d'écran et tout le reste ça allait bien. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, mais à mon avis, il a perdu un peu la boule aussi, ils disent, donc il se rappelle pas vraiment de qui il est, je pense. On l'a trouvé. Je pense, ouais. Donc, on oublie qui c'est, on sait je pas crois qui que c'est. Je sais. Qui est Diz? Ah ouais, qui est Diz? Parfait. Et quel est le véritable nom de Ansem? Or, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si on le sans le mot de passe, je ne peux rien faire. Bah, c'est surtout pourquoi. Quelqu'un aurait une idée sur ce oui, pourquoi quelqu'un se fait passer pour Ansem? Eh bien, on a cette surtout. Alors qu'on l'a vaincu dans le 1 et que Mickey nous a appris et nous a montré qui était vraiment Ansem. Enfin, à quoi il ressemblait, quoi. Oui, exactement. Et encore, non, c'est même pas de son cœur d'Ansem, c'est de son cœur de Xehanort, son disciple. Ah, si, il y avait quand même super. C'était quoi plus, comme parfum ça me fait quand même bizarre de dire que c'est Xehanort alors que je sais qui c'est grâce à Vortex. Oui, exactement, mais chut, on peut rien dire. Vaudrait mieux pas parce qu'on risque de lâcher le morceau. Ouais, oui.
Le mot de passe est le nom de la glace. Ne te trompe pas en tapant. C'est la glace à l'eau de mer. Parce qu'elle est sucrée salée. Ouais, mais je pense à aller prendre Ultima. Ouais, mais t'inquiète pas. De toute façon, on peut encore explorer le manoir avant d'aller. Avant de passer par le téléporteur. D'accord. Comme dans la fosse cité du crépuscule. Donc là, avant d'y aller, justement, ouais, très important. Faut retourner un peu vers la salle de laboratoire, là, je sais pas trop quoi. La salle où il faisait dodo. Voilà, la salle où Sora faisait dodo au début du jeu. En plus, dans l'âge des Mongols, il y avait un truc avec des... Il y avait des capsules avec les autres. Alors que Sora, lui, il est tout seul dans une capsule blanche. Ouais, Donald et Dingo étaient ensemble les deux, mais Sora était vraiment isolé des deux autres, justement. Alors que les deux autres, ils avaient perdu des souvenirs, on n'avait pas récupéré, alors que lui, il en avait récupéré. Enfin, ça cache comme, je crois. Il en avait récupéré une partie, oui, enfin, il se rappelle certaines choses, après c'est surtout son aminé qui trompait sa mémoire, en fait, surtout. Ouais. Et si tu regardes un peu près toutes les capsules, il y en a qui sont utilisés vachement, et d'autres qui n'ont pas été utilisés depuis des années. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Voyons voir. Cette capsule n'a pas servi depuis un moment. Voilà. Cette capsule était utilisée il y a peu. Tu vois ? Ah ouais. Plein de choses comme ça. Au fond, donc la première, c'est bien Donald et la vidéo, je crois. Il me semble, oui. La capsule dans laquelle dormait Donald, et je pense à la côté c'est Dingo. Ouais, la capsule dans laquelle dormait Dingo. Elle est toujours en état de marche. Qui a construit ça et pourquoi faire? Ouais. Bon, après on peut toujours aller dans la salle principale, hein, ça coûte rien. Et celle où il y a juste marqué que ça saura, et puis voilà. Tu vois, comment il a fait pour avoir des murs aussi blancs et qu'on voit même pas les coins? La capsule dans laquelle Sora dormait. Cette salle, elle est putain de flashy, wow, je fais mal aux yeux, hein. Tout tant de blanc comme ça. Allez, on va vous aveugler. Donc voilà, j'ai récupéré la formule ultime, hein. C'est pour forger Ultima, donc très très important à récupérer. Sauf si tu veux battre le boss comme je te l'ai demandé avec le souvenir. Et j'ai loupé un coffre apparemment. Ah oui, je sais où lequel j'ai loupé. On va remonter un petit peu parce que je sais où je l'ai loupé. Non, non, celui-là, j'ai juste oublié de passer devant, en fait. Il est à l'entrée du manoir, c'est sur un escalier. Ah oui. Quel taquin, ce coffre. Bon, heureusement, je me rappelle. Bon, de toute façon, après, on peut y retourner, c'est pas de souci, mais... Ouais, sans... Et sinon, si t'as un trou dans le... Ouais, forcément, maintenant, ils sont tous là. Ouais. Voilà, il est là. Si t'as un trou dans le... avec l'équipe Bédou. Ah non. Vraiment, c'est un fou qui a peur de rien. Déjà en mode extérieur, il va me faire super mal. Donc, si je fais avec l'équipe Bédou Winnie, mon dieu. Si un jour t'essayes, je t'appelle. Si un jour t'essayes, tiens, je t'appelle papa. Non, bon. Essayer, je peux encore, mais après le battre avec. C'est faisable, mais alors va me falloir un niveau de psychopathe, hein, pour réussir. Ça ferait comme quand t'as essayé Gaïa, que t'es mort en moins de 2 minutes. Ouais, bah Gaïa dans FF9, c'est vraiment parce que j'ai pas pris le temps de mettre les bonnes armures et tout ça. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est surtout ça. 2 minutes, t'as eu 2 minutes pour t'arrêter. Ah ouais, ça fait le combat. Une fois que t'as les bonnes armures, le combat tu le fais bien, mais bon, il dure longtemps. Toi. Ouais, il a duré un moment quand même. Ouais, j'ai eu du bol. Bah, c'est surtout qu'il faut vraiment avoir des objets qui absorbent l'élément ténèbres, quoi. Lâche espace au début pour lui enlever direct 10 000 HP d'un coup. Ouais, bon, après il faut que tu apprennes la technique.
c'est Atonium ou quelque chose comme ça. Oui, après, bon, t'as la combinaison Atonium Boomerang pour faire des dégâts de ouf. Et tout ça, quoi, c'est sûr. Ouais, plein de choses. En plus, ce boss, il a des trucs. Ah ouais, bah, il avait Météor, Comet, Ultima, je crois. Méga Atonium, il avait. Apocalypse, ouais. Et soin max. Et justement, je crois qu'il fallait les armures résistance ténèbres pour résister à Apocalypse, justement. Il est revenu au même endroit ? Ouais, parce que t'avais morflé pour ce boss. Ah, mais ça, c'est. Les, morts 3 ou 4 les fois. Boss dans les FF, c'est. Les boss optionnels dans les FF, c'est vraiment. Ils sont vraiment hardcore. Celle où vit Roxas. Ouais. Bon, moi, pour l'instant, j'ai quelques 10 et je suis même pas encore sûr d'être à la fin, là. Tu l'as déjà fait le 10 ou pas, toi ? En découverte, je me souviens plus. Le 10, je vais le faire en let's play justement. Je vais faire la version PS3, donc la version HD. Mais en découverte ou pas? Non, j'ai déjà fait. Tu connais déjà? Ouais. Est-ce que tu peux renommer les noms des personnages parce que je me souviens plus? Tu peux renommer le héros et tu peux renommer les chimères, c'est tout. Le reste ont déjà leur nom. Ah. Donc le héros, je suppose que tu vas le renommer Kizae. Non, je vais laisser le nom normal, Tidus. Tu vas renommer les chimères ou tu vas pas oser? Je sais pas, on verra. Franchement, je ne sais pas. Tout a l'air identique, mais nous ne sommes plus dans le monde de tout à l'heure. L'ennemi peut nous attaquer à tout moment, soyons prudents. Excuse-moi, je te coupais. Oui, tu disais ? Ma préférée pour l'instant, c'est des trois que j'ai, c'est Ifrit. Ah ouais, elle est bien celle-là. Elle est plutôt puissante, mais les chimères, pour les augmenter, faut juste les envoyer au combat et qu'elles gagnent, parce que. Des fois, je me demande comment elles font pour gagner des HP comme ça. Oui, alors au début, c'est surtout on les envoyait au combat, mais après, tu pourras directement les élever plus tard. Mais ça va te coûter des sphères après, en fait. Ouais, mais en fait, j'avais pas compris au départ. J'aimais pas trop parce que j'avais pas compris pourquoi les autres montaient pas de niveau. Mais en fait, il faut utiliser des sphères pour augmenter la puissance. Exactement, mais tu verras après, les chimères, c'est un peu le même système. Ça utilise des sphères aussi, c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est pour apprendre des trucs. J'en suis arrivé à ce moment-là. Exactement. Alors on va parler un peu tout le monde. On a passé le machin sur la flotte avec les Aldead. Quelque chose comme ça. Ah, je crois que je vois où t'es alors, ouais. Je viens d'avoir tous les personnages en même temps. J'ai arrêté juste à ce moment-là. D'accord, ouais, alors je vois où tu es normalement. Tout a l'air pareil, mais j'ai un mauvais pressentiment. En cas de pépin, on peut retourner dans l'autre monde en touchant le rayon. D'un coup, tu dis quoi ? Il y avait donc bien une deuxième cité du crépuscule. Essayons de trouver une entrée vers le monde des ténèbres. Et là, en fait, on est dans la cité du crépuscule où était Roxas, tout simplement. Ouais, et voici la première référence au début du jeu, là où il avait fracassé son PC parce qu'il y avait plein de lags. Ouais, et voici la deuxième référence. Ouais, c'est celle-là surtout. La première fois, tu l'avais peut-être pas expliqué. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le combat contre Roxas avait tellement épuisé Axel qu'il a laissé le portail sans moyen de le refermer. Je sais pas s'il l'a laissé volontairement ou pas. Ça m'étonnerait vu qu'il savait que Roxas il allait pas le voir, enfin qu'il allait pas rester et qu'il allait essayer de se rappeler. Ouais, mais je pense qu'il prévoyait un peu la suite justement. D'ailleurs, c'est bizarre, puisque Roxas lui il allait vers cet endroit là où tu veux aller, et où Sora était censé être. Mais Sora il est sorti de la vraie cité du crépuscule, c'est un peu bizarre. Mm-hmm. Ça, c'est un peu chelou ça. Ouais, je sais pas si les développeurs avaient pensé qu'on pense à ça. Je ne sais pas, franchement. Mais là, justement, on peut pas aller là-bas, parce que quelque chose nous retient ici. On peut vraiment pas aller dans la salle. À mon avis, De l'autre côté, ils ont un mauvais pressentiment pour l'autre côté. Mais à mon avis, je pense que Diz a tout simplement créé une copie virtuelle de la salle. Où Sora dormait avec un Sora virtuel dedans, quoi, donc un faux Sora, je pense. Ouais, donc un Roxas virtuel qui est de l'autre côté aussi. Non, Roxas était bien et bien réel, mais je pense que le Sora et tout ça, c'était une version copie, ouais, une version digitale en fait. Bah, de toute façon, comme dans le digital, Codel, non ? Rico, Kairi ! Je sais pas quoi, j'ai jamais joué pour l'instant. Ouais, exactement, bah Codette, c'est ça, il y aura une version un peu digitale d'un peu tous les persos, quoi. Je crois que comme boss optionnel, il y a Digital Sora et Digital Rigo qui est sur Internet. Alors, il y a Digital Roxas qui est bien hard, mais bien hard. Parce que, bon, Dricodette, c'est un peu spécial. Les sans-cœurs, des fois, peuvent avoir des fonctions un peu spéciales. Tu peux avoir des sans-cœurs géants, des sans-cœurs hyper rapides, des sans-cœurs qui font très très mal.
et t'as quoi comme option de cœur, je sais plus, je crois que t'as les options après normaux. Il peut avoir différentes formes, mais justement le Cyber Roxas, il peut adopter toutes ces formes là en fait. Donc quand tu vois le Roxas géant qui charge sur toi, il est très lent, mais bon, il charge et tout, c'est assez violent quoi. Surtout quand il est très rapide, là ouais, c'est horrible. Eh oui, Axel nous vient en main forte. Pourquoi ? Qu'est-ce que je dis ? Ça va ? Et voilà, d'un coup, il court après. J'ai enlevé Kaye, mais elle a réussi à s'échapper. Il court aider Axel, et d'un coup, il est tout seul. Malheureusement, Saïx l'a rattrapé. Le canard et le chien il fait partie de l'organisation. Non, ils sont là. Saïx. Enfin, c'est bon, c'est retenu. Maintenant, va la sauver. Fichez-nous la paix. Eh oui, ouais. On va décider de se battre avec Axel. D'ailleurs, en parlant de tout le monde qui s'en rend, la main aussi, il faut pas que je mette en légumes pour être assuré. Vraiment? Ouais, ça pourrait être marrant. Si tu arrêtes pas, normalement, moi aussi, une fois, on est des épées. Je pense que c'est faisable. Bon, après, c'est juste le combat durera plus longtemps, c'est sûr. Alors, effectivement, on va avoir un allié dans le dernier monde. Lui, par contre, j'en aurais bien besoin. Donc, je le laisserai pas en mode légume, par contre. Non, t'inquiète. T'inquiète pas. Par contre, la cinématique qui va suivre après cette phase de combat, faudra quand même la laisser. On va laisser quand même parler sans faire de bruit parce qu'elle est quand même vachement importante. Mine de rien. Ouais, c'est vrai. Ah, ils se déchaînent. Mais je crois justement que les 6000 qui vont dans le sol, il me semble qu'ils sont invincibles à la magie. Je vais essayer. Ouais, ils sont insensibles à la magie. C'est pour ça qu'il peut pas le buter en fait. Moi je veux bien qu'Axel bute des simili, mais bon, s'ils sont insensibles à la magie, malheureusement ça sert à rien quoi, tu vois. Ouais, mais là justement, s'il reste que ceux-là, il peut pas les attaquer après. Ouais, tu vois. Ah, t'inquiète, tu peux dire Léon, de toute façon j'ai déjà dit son nom plusieurs fois dans le let's play. C'est vrai. On va laisser la cinématique qui est quand même assez épique. Kaeri se trouve dans le donjon. Vas-y.
Skype, je pense. C'était une cinématique très épique que j'ai complètement loupée. Merci Skype. Non, t'en fais pas. Une cinématique épique que j'ai loupée. Merci Skype. La première partie, je l'ai loupée à cause des lags. La deuxième, c'est parce que le truc, il s'est enlevé. Génial. J'adore Skype. T'inquiète. Attends, je vais te faire le reportage. Hop. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que j'ai loupé une cinématique épique. C'est vrai. Malheureusement. T'inquiète pas. Axel a quand même dit un truc assez important. Je vous en dis pas plus parce que ça va spoiler, mais il a quand même dit quelque chose d'assez important. Tu peux le dire s'il te plaît, j'ai pas vu. Bah, il a dit qu'il recherchait juste à revoir Roxas en fait. Parce que il a dit avec Sora, c'est comme s'il avait un cœur en fait. C'est exactement comme s'il voyait Roxas. Dommage qu'il parle pas de l'autre personne avec qui il avait un cœur aussi. Ah, tu parles de... Ouais, quelqu'un dans 358 de Days. Je vois, je attendrai son let's play pour le savoir, il ne spoilera pas. Eh oui. Par contre, ça met du temps. Et nous y voilà, le dernier monde, sans doute mon préféré. Moi aussi. L'ordi me fait chier. Quand j'aime pas la traduction qu'ils m'ont donnée ici, en français, Illusiopolis, c'est moche. Ouais, c'est pas clair. Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans le château. C'est mieux le pays qui n'a jamais existé ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais, c'est le monde qui n'a jamais existé. Par contre, ça donne un peu l'ordinateur, je vois toujours pas. De quoi? Ça, je vois toujours pas. Le partage, il est planté. Ah, il a planté le partage? Il veut toujours pas. Ah, bah alors attends, on va relancer, c'est pas un souci. L'épisode avec le plus de fail. Non, sérieusement, cet ordinateur est un gros problème. Non, mais pas de soucis. C'est bon, tu vas pas craquer. Dis-moi que tu vois. Aïe. Ah, yeah. C'est bon? Ça va mieux. Parfait. J'ai pourri la vidéo. Mais non, t'inquiète pas, ça arrive. Non, t'as raison, c'est pas moi, c'est vrai. Laurent est encore parti devant, il aurait pu nous attendre. Enfin, ça me rassure de voir qu'on peut retourner à la cité du crépuscule. Ah, il est pas sympa le roi de partir toujours en solo. Alors, c'est dans cette ville toute lugubre que vivent les Sibylis. Trouvons vite un moyen d'aller au château où est revenu Kairi. Erreur. Oui. Tu as dit une énorme bêtise. Non, va pas là, tu dois d'abord aller à la tour mystérieuse. Ah, bah oui, juste. Et Dingo, tu as dit une énorme connerie. Laquelle? Oh, c'est pas dans cette ville, c'est dans le palais. Ou en tout cas dans le truc blanc. Oui, c'est vrai que dans la ville on trouve plutôt des sans-coeurs que des simili. Et c'est dans l'endroit où ils vont. Que Kizai va montrer là. Hein, là c'est celui-là. Alors. Du coup, bah, on va aller à la gare directement, puis on va aller à la tour de Yensid. Ouais. Pour voir tes fameux miroirs. Moi j'avoue que là je les ai jamais vus donc tu m'en apprends une bonne quand même. Ah bah c'est parce que je faisais en douille, hein, je voulais voir. Je visitais un peu tout en cherchant des coffres, même si ça a aucun intérêt d'y aller. Et je voulais voir si on pouvait parler à Maître Yensi des fées, mais elles sont jamais revenues. Comme dans Dark Fight, où ils étaient jamais. Ils y étaient que pendant les cinématiques. Ouais justement, bah elles y sont surtout au début, mais après elles n'y sont plus, c'est juste. Ouais, ils sont que dans les cinématiques. Ouais, c'est bien, là je récupère pas mal d'ingrédients pour la forge mug, c'est bien ça. C'est pour Dingo, pas pour Donald. Non, c'est pour Donald, pas pour Dingo. Dingo lui, il faut autre chose. Il faut des nébuleux, pas des. Ouais. Quoique, tu veux obtenir des nébuleux. D'ailleurs, je me souviens même pas comment j'ai fait pour obtenir les ingrédients de Dingo, puisqu'à chaque fois, je voyais que le masque. Quand je prenais des trucs. Les maths, je sais plus comment on les chope. Je crois que c'est des simili ou des sans-coeurs spéciaux qui les ont, je crois. Les nébuleux que les sans-coeurs ont. Je crois que c'est les nébuleux que les sans-coeurs ont, je suis pas sûr. Je sais que les éclats nébuleux, on les obtient avec les simili de base, ce que Axel a tout explosé. Et les spéciaux, les autres, je sais vraiment plus comment on les obtient. C'est quand je faisais l'XP.
Alors t'inquiète pas, moi aussi, de toute façon, j'ai énormément farmé, donc pas de soucis là-dessus. Hein. Bah, je pense que, ouais, Ultima, bah, on va faire en live un peu tout ça. Je pense la recherche d'ingrédients, je pense ça sera beaucoup plus sympathique en live, à mon avis. Tu serais capable de chercher à faire Sephiroth en live? On pourrait le faire, ouais, mais pas dans le même live, là. Si tu lis les commentaires des gens en même temps que tu fais le boss ou qui font des conneries et qui regardent même pas les lives, ah bah ça c'est tant pis pour leur gueule, hein. Franchement. Ouais. Tiens, il y a le civil qui avait bugué à un moment, il était tout bleu, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu, c'est surtout lui que je regardais, je me demandais ce qui se passait. J'avais un civil shiny. C'est dommage, il a pas gardé un temps. C'est vrai. Ah bon, Donald m'avait déjà soigné avant. Ouais. Ça c'est un truc des fois qui me saoule, c'est quand je veux me soigner, d'un coup t'as le l'allié qui me soigne. Et tu gaspilles toute la barre de MP pour rien. C'est dommage que tu veux pas garder quand même le marque. Mais la solution, tu te coûtes un peu. Dans un sens, je préfère quand même la barre de MP qui se recharge automatiquement. C'est vrai. Mais bon, aussi, si t'as plus de MP, ta jauge de flux, se recharge plus vite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve aussi un peu dommage qu'ils aient pas gardé les sorts, tous les sorts. Chaque fois qu'il y a une amélioration, ils utilisent que l'amélioration. Je trouve ça un peu dommage aussi. Ouais, c'est vrai. Un poil dommage. Après, personnellement, à choisir entre les différentes moyens, je préfère quand même la méthode Bird by Sleep, c'est-à-dire les. T'as pas d'MP quoi, t'as les commandes qui se rechargent, je trouve que c'est quand même mieux à ce niveau-là. Ça aussi, mais bon, des fois je me trompe, des fois je veux faire une commande, je veux changer une commande et je me trompe, ouais, c'est vrai. Après, il faut juste bien les placer, surtout quoi, les commandes. Ouais, certaines commandes qui sont bien mais qu'on peut les mettre que sur un seul personnage. Ouais, parce que certains persos justement ont accès qu'à un certain type de commandes. Ils sont propres. Ouais, et puis je crois que même tout ce qui est bouclier, carré, enfin non, mine carré et tout ça, je pense que ça c'est Yaku Aqua qui les a aussi, je crois. Non, mine carré. Ah d'accord, ok. Ouais, je me souviens, j'avais fait il y a pas longtemps. Et aussi, il y a des Pera d'ailleurs, il y a un KO, donc on peut penser à la référence. Mais... enfin, on peut penser surtout que l'ami KO, c'est un peu à Kilon. Par contre, ça fait bizarre parce que Kilon, tout le monde peut l'apprendre alors que les difficultés sont rares. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est, la lame du chaos, c'est vraiment un Aquilon, mais en version Dark surtout. Et en plus, c'est plus puissant et. Oh putain, il y en a 4. Bah, ça, c'est les civils que j'ai. La même chose. Leur arme. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est juste les regrouper. Et à chaque fois, quand j'en viens, je récupère son arme et je les prends les gars. Ah ouais, c'est ce que je tente de faire aussi. Ah, paf, un cristal. Ouais, les masses ils sont faciles à obtenir comparé aux nébuleux quand même. C'est clair. Voilà, la fameuse tour du sorcier Z. Mais on recommence par la droite, je crois. Par droite? Ouais. Une projection de toi-même avec tes forces décuplées traverse ton esprit. Ah, sinon, ça c'est la vaillance, la rouge. Tu te vois en train de lancer des puissants sorts de magie. Ça c'est la sagesse, la bleue. Sagesse. Ouh, bon. Une image de ta dotée de toutes tes compétences traverse ton esprit. Maîtrise, je dirais. Maîtrise aussi. La suivante, avec le tout petit miroir, cela ne peut être que la dernière. Tu imagines la cibler dépendant de l'intégralité de ses ressources. Ouais, ça c'est suprême, forcément. Suprême.
et celle-ci. Et là, toute dernière, soudain, tu te vois submergé par le pouvoir des ténèbres. Ça, c'est la non-forme. Ah ouais, c'est sympa, ils ont fait les petits miroirs et tout comme ça, avec les différentes fusions, c'est bien cool. Même Supersonic, les gars. Au moins, comme ça, on a appris des choses à ceux qui ne savaient pas et à ceux qui le savaient. Et à toi. Exactement. On en a combien? 55 minutes? Ouais. Donc on va continuer un peu les 100 coeurs et voilà. On continue les 100 coeurs parce qu'après, moi je sais qu'il faut que je bouge un peu. Ouais, on va faire un peu ça vite alors. Ouais. Parce que malheureusement, il va falloir que je bouge un petit peu le soir. Bon, ben. Dépêchons-nous, moi aussi j'ai 2-3 trucs à faire après. Allez, retour à Illusopolis. C'est toi, tu peux vraiment y aller. Ouais. Donc on élimine juste la partie sans cœur et après on s'arrêtera là. Ouais, on s'arrêtera à peu près au point de sauvegarde. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, ouais. Peut-être avant, peut-être après, on sait pas si on les prend ou pas. On va prendre des fusions, ça fait quand même longtemps. Allez, ok. Ouais. Sagesse, ouais, elle est sympa, j'aime bien. Moi aussi, je trouve que c'est mieux. La dernière fois, je crois que c'est mieux. Ouais, parce que pour savoir, bon, qu'on avait tourné hier l'épisode, mais on a eu des petits soucis, malheureusement. Des soucis Audacity. Ah, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive tout le monde, ça arrive aux débutants. Bah oui, bien sûr, l'erreur est humaine, hein, tu sais. Pas de soucis là-dessus. Mais bon, sagesse, c'est une bonne idée de la matrice physique, parce que c'est en général là où c'est le plus. Ah oui, clairement, c'est ici qu'elle explose vraiment à fond. Sinon, il y a la variance de quand on peut partout à peu près. Bah, la variance, ouais, vu que c'est un point d'attaque et gagne un XP, tu peux la mettre vraiment partout. Ouais. La sagesse, donc, c'est ici. La maîtrise, je le dis au même de Mélan, tu sais, là où il y a plein de tests. Là où il y a des trois charniers. Là où je posais. Il y a un autre endroit, non? Ouais, après, bon, moi j'utilisais surtout dans. Ouais, comme je l'ai dit, dans le Pierre des Caraïbes, là, avec le bateau. Donc t'avais les gros sans-coeurs, les espèces de grosses boules vertes, là. Quand t'avais ça dans les traversées, je les utilisais là surtout. Comme après, tu pouvais. Comme justement, quand tu remontais dans le bateau, ça rechargeait. Bah, j'utilisais là, en fait, tout simplement. La suprême, ouais, c'est vraiment conseillé de l'utiliser là plus tard en fait. C'est vraiment là où elle XP le plus. Oui, parce qu'après, c'est que quand tu débloques la suprême, le pourcentage de l'apparition de la non-forme retombe à zéro en fait. Bah, il faut que tu utilises toutes les autres fusions sans jamais utiliser la suprême. La suprême, de voilà, là, en fait, quand tu utilises les autres fusions, t'as un pourcentage de la non-forme qui augmente. Bon, toi, malheureusement, tu sais pas combien de pourcents ça augmente, mais ça augmente. La suprême, quand tu l'utilises une première fois, quand tu la débloques, hein, faire tomber le compteur à zéro, en fait, tout simplement. De toute façon, plus tu l'utilises, plus tu utilises les fusions, plus t'as de chance de l'avoir. La non-forme, ouais, justement, c'est ça. D'ailleurs, moi, je me souviens l'avoir vu loin comparé à ce que tu l'avais eu. Moi, je l'avais eu en fait dans la maison de Mickey, dans le château Disney. Ouais, à peu près. Dans la chambre de Mickey. Enfin, la maison de Mickey. Là où. T'as le trou au milieu. J'avais plus de surveillance. Ah, ouais, tu dis dans le monde noir et blanc. Ouais, dans le. La rivière intemporelle. Ah ouais, quand même. Putain, ouais, moi j'avais eu. Non, j'ai eu bien un seul zoom. Moi. Je l'avais eu, je crois. Moi, c'était en fait, j'ai cru que c'était au monde noir à blanc quand c'était comme ça. Et ensuite, quand j'ai refait une seconde fois, c'était pas apparu. Ouais, c'était ce truc. J'ai cherché sur internet en tapant sur un noir. Ouais,
Ouais, c'est ça le problème. Même si en général je relève pas. Mais bon, quand tu parles d'un écran à un autre, c'est bon. Ouais, c'est sûr, puis bon, c'est surtout pour les boss qu'elle est assez pas pratique, quoi, parce que tu. Ouais, elle t'empêche de. Tu restes un peu suicide. Bon, tu leur fais mal, hein, c'est sûr, mais comme tu peux pas te soigner ni rien, c'est. Ouais, c'est assez kamikaze, quoi. Ouais. Et le boss, du coup, c'est de la bête, là, tu t'en souviens. T'es mort une fois. Oui. Moi, je suis mort deux fois. Elle a apparu deux fois. Ouais, c'est là le problème qu'on avait fait. J'avais pas pu me soigner et tout. Bon, après, quand j'ai vu qu'elle avait niqué, j'étais super content. J'ai refait et. Je suis mort comme une merde. Pardon, mais non, mais t'inquiète. Je suis mort comme un étron. J'ai un coffre là-bas. Ouais, j'ai vu. Je suis mort comme un étron. Et j'ai recommencé avec Mickey, j'ai failli remourir une troisième fois, mais après c'est à cause de ça que j'ai eu deux morts au compteur, sinon je suis jamais mort. Même au boss final qui était dur, je suis pas mort. D'ailleurs il est super rapide, ça m'énerve tant. Bah de toute façon après avec Mickey tu peux mourir autant de fois que tu veux hein. Contre les boss seulement, ça c'est. Oui mais contre les boss changeants. Et contre certains boss surtout. Dommage qu'en faisant vaillance, mon frère n'était pas apparu puisqu'on parlait d'elle. Ça aurait pu être sympa, ouais, non, en plus dans la ville avec les sanctuaires, ça aurait pu être cool. Ouais. Et comme tu l'avais dit, je crois que ça fait référence à notre sanctuaire. Enfin, je sais pas si tu l'avais dit, mais ça fait référence au KH1 de sanctuaire. Quand Sora était en sanctuaire dans KH1. Oui, il me semble que je l'ai dit, bah de toute façon c'est ceux qui connaissent KH1 ou qui ont suivi mon let's play, c'est sûr, c'est la non-forme représente vraiment quand Sora se transforme en sans-cœur, hein. Rien d'autre. Aussi, oui. Bon après il est redevenu normal, ça c'est un peu bizarre quand même, c'est un sans-cœur tout pourri comme ça, mais il a un simili sur Twitch. C'est quand même bizarre. Ah ouais non, c'est clair, non, ça c'est hyper puissant. Ça aurait devenu un sans-cœur. Ouais, c'est vrai. Il a dû se faire des expériences sur lui-même aussi, c'est pour ça qu'il a pu garder son cœur, enfin qu'il a pu rester en forme humaine même en étant sans cœur, je pense que c'est ça surtout. Ouais. Celui-là il est complètement. Ah oui oui. Dans le 3D, c'est un jeu complètement. Ouais j'avoue. Bon comme dans. Non, ça va. Oui, ça. Si c'est juste un combat comme ça, ils vont. Je pense. Quand tu penses, si ça va tout dans l'ordre de la chronologie, comme tu ne pas, ça aurait été très difficile. Oui, justement, ça aurait été très difficile d'expliquer ça. T'aurais pu commencer par Burn by Sleep. Ensuite, dès que Burn by Sleep est fini, tu vas faire KH1. Quand on sera transformé en sanctuaire, tu vas faire KH1 dès que les 120 millions en vision, les signes, tu dois commencer comme. Dès que tu finis comme, tu vas faire KH1. Dès que les signes reviennent. Ensuite, dès que tu arrives vers la fin de 352
Day, tu vas sur Astéroïde 2. Après le problème, c'est pas du tout le choix. C'est après le 2, juste après le 2, mais bon, c'est. Juste après le 2, et ensuite la 3D. 3D est la vraie suite de Kingdom Hearts 2. Ouais, c'est vrai. Et ensuite tu mettras KH3. Kairi, que j'aimerais tellement que ce soit. Ce serait la raison après Kingdom Hearts de casser la place. Si Kairi le voit, parce qu'il y avait une petite blade, alors forcément tu vois. C'est un bon argument justement à quoi il voit. Il y a des chances, Ce serait cool qu'il fasse comme dans North by Sleep, c'est-à-dire des parties comme ça avec Riku, Tora et. En plus, on va voir dans Cash. La fin secrète. La cinématique secrète dans Cash 3D, ça mange bien. Ce serait bien épique. Je te l'avoue. Franchement, ouais. J'ai hâte qu'ils sortent. Enfin, hâte, non, je préfère quand même qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous fassent un bon jeu, qu'ils le sortent vite et qu'ils sortent un mauvais jeu. Ouais, c'est bon. Mais je pense qu'il sortira début 2014, fin 2015. Contraire. Fin 2014, début 2015. Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances de le voir à ce moment-là. Et comme bon, ça, ben voilà, hein. Écoute, on arrive ça, à la fin. La PS4, en plus, comme ça, elle sera bien. Il y aura presque plus de bugs, sûrement. Ouais, c'est sûr, vaut mieux attendre une version qui ait moins de bugs. Ouais. Bah voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Bon gros épisode. C'est dommage, on continuera pas jusqu'au Château Blanc. Hein. Pas tout de suite, non. Ça cette partie-là, je préfère la faire en solo, perso. On est dédié d'un troll. Des trolls des montagnes. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de montagnes, salut ton pote le montagnard. Et j'y manquerai pas, t'en fais pas. Ok, bah écoutez, j'espère que cet épisode-là vous aura plu avec Vipézard. Alors un grand merci d'être venu, j'espère que ça t'aura plu. Oui, ça va. Ça m'a plu. Parfait, parfait. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour continuer Illusiopolis avec beaucoup de révélations et beaucoup de cinématiques surtout. Prenez soin de vous. Allez. Et à la prochaine. Allez bye bye. Et vivement le prochain épisode. Ah oui, c'est sûr. Allez, bye bye.